Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul action et j'ai quelques bricoles de chez Aldi que je voulais vous montrer. Je pense que ça peut être utile en rangement scrap. Pour mon haul action, il n'y a pas que du scrap, mais je vais vous montrer du coup quand même en même temps. Donc chez Aldi, j'ai trouvé ça. Donc ça se fixe sur des étagères. En fait, voilà, l'étagère vient ici. Sur le dessus, et donc ça sera sous l'étagère. Donc vous pouvez aussi le coller avec le double face. Et j'ai trouvé l'idée pas mal parce que du coup en dessous on a des petites boîtes. Alors normalement eux ça sert dans l'alimentaire, mais moi je pense que je vais m'en servir pour le scrap. Les petites boîtes ont l'air hermétiques, donc ça a l'air pas mal. Mais je me suis dit la contenance est pas mal, on peut y mettre pas mal de petites choses. Donc voilà, je pense que je vais voir avec mon conjoint qui m'installe une étagère et je viendrai installer ça dessus. Donc on a trois compartiments et si je me trompe pas, c'était un peu moins de 12 euros. Donc du coup voilà, j'ai pris ça. On verra bien quand est-ce que je pourrai les installer. Ensuite, toujours chez Aldi. Ça, c'est pour ranger les vêtements des petits. J'ai pris ça et ça. En fait, la mamie d'Eva lui en avait déjà donné deux ou trois comme ça avec des cœurs. Donc, du coup, elle les a vus et elle a dit: Ah, c'est celui-là que j'ai. Donc, du coup, je me suis dit: Pour que tous les cintres soient identiques dans les armoires, du coup, j'en ai pris plusieurs. Je vous montre qu'un lot de chaque, hein, mais j'ai pris plusieurs lots de chaque pour ranger leurs petites affaires proprement dans les armoires. Et ça, c'était, je crois que c'était dans les 4 euros et il y en a 12 par paquet. Donc, c'est plutôt correct, je trouve. Et en plus, l'avantage, c'est qu'ils sont. Ça fait antidérapant, en fait. Ça fait un peu comme du velours. Et du coup, c'est antidérapant. Les vêtements ne glissent pas. Voilà pour ça. Et ensuite. Ben, ça va être rayon. Enfin, ça va être chez Action. Donc chez Action, j'ai pris du papier bulle pour quand j'ai des envois à faire. S'il y a du fragile, au moins c'est protégé. Ensuite, Ilan et Eva ont vu des plaids. Donc du coup, ben, automatiquement j'en ai pris un pour Maud aussi. Donc là j'ai que celui de Maud. Ilan et Eva ont voulu prendre le leur. Alors celui de Maud n'est pas encore tout à fait comme celui des autres. Celui de Maud, on voit des dessins comme ça apparaître. Eva, fais-moi voir ton plaid, s'il te plaît. Et celui d'Ilan et de Eva, je pense pas que ça fasse ça. Je crois pas que ça fasse ça. Et ils font 140 par 180. Ah mais non, celui d'Eva, vous voyez, on voit, ça fait des reliefs seulement en fait. Je sais pas si vous... Voilà, là vous voyez. Eva a voulu prendre avec des licornes. Donc vous voyez, on voit les reliefs comme ça. Mais ça fait pas encore comme celui de mode. Même la matière. Voilà. Tiens. Du coup, je vais essayer de vous donner les prix. J'aurais dû les noter avant. Couverture plaid enfant, 5,72 le plaid. Donc ça va. Ils font 140 par 180. Ils sont quand même assez grands. Je trouve que ça va. Je me suis dit pour cet hiver, rajouter par-dessus leur couette si vraiment il fait froid. Voilà. Au moins ils en auront. Enfin, ils en ont déjà plein. Hein, mais voilà. Et je me suis dit. Ça sert toujours des plaids quand il y en a un au lavage. Au moins, il y en a d'autres. Ensuite. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour des prix après. Parce que là, si je m'amuse à chercher, ça risque d'être compliqué. J'ai pris ça. Donc ça, j'en ai pris plusieurs. J'ai des diffuseurs à la maison. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai trouvé ces fleurs.
Alors, il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. J'ai trouvé ces feuilles. Les fleurs, j'ai ceux-là aussi. Donc, j'ai pris qu'un paquet de chaque. Les feuilles, j'ai pris celle-ci. Ensuite, j'ai trouvé des rubans. Donc, j'ai trouvé ce lot de rubans. Dans les tons bleu-vert, j'avais pas grand-chose. Donc, je me suis dit, ça sera toujours bon à prendre. Des sacs poubelles, bien sûr. Ensuite, j'ai pris pour la maison, hein, pour ces gâteaux aux amandes. Donc ça, c'est encore un diffuseur. J'ai pris du déodorant. Un indispensable que je pense quand on a des enfants, c'est les recharges pour le Swiffer Wedget. Franchement, l'essayer, c'est l'adopter. Hein. Quand on a des enfants, c'est juste top. Donc ça, c'est pareil, j'en ai pris plusieurs parce que ça part vite. Pour moi, le scrap, je me suis repris des lingettes. Je me suis repris ça. Alors, je sais pas s'ils vont continuer à le faire parce que c'était le dernier dans le rayon. Donc, je sais pas, j'espère, parce que c'est quand même toujours utile de les avoir. Ensuite, encore un, comme ça, j'ai pris des piles. Ça, avec les enfants, c'est pareil, les piles, il y en a toujours besoin. J'ai pris ce lot de rubans. J'aime beaucoup les couleurs. Dans les tons roses et un peu doré, voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris cela, couleur un peu arc-en-ciel, pareil, très joli. Hop. Ensuite, pour la maison, j'ai pris les petites gourmandises. Des bonbons pour Halloween. Cela a été en promo de la semaine. Des capsules Fairy pour le lave-vaisselle. Ça, c'est pareil, j'en ai pris deux. Les piles, j'ai pris aussi les plus grandes. Je suis en train d'encombrer mon bureau, j'ai plus de place. Donc encore un widget. Alors. Hop. Encore un ferry. Ça c'est pareil, des bonbons, c'est des cerveaux pour Halloween. Ensuite, dans les rayons déco de Noël, enfin parce qu'on a quelques trucs de déco de Noël de sortie, j'ai pris des petites poupettes comme ça. Alors, il y en a plusieurs sortes, donc celle-là je l'ai prise en... Ah non, c'est pas encore la même. C'est pas encore la même. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Et celle-ci. Voilà, je me suis dit pour mettre soit dans mon sapin ou sur du calendrier de l'Avent ou autre, je sais pas encore, on verra. Ça, je me rappelle du prix. Par contre, c'est pas donné, c'est 2€ les deux. Mais bon. Ensuite, pour les loulous, j'ai pris ça. J'ai pris des bonbons comme ça. J'ai pris un autre déo d'un autre parfum. J'ai pris encore des petites friandises comme ça. Alors, je m'épose pour enlever ce que je n'ai pas besoin sur mon bureau et je reviens pour vous montrer le reste. À tout de suite.
Mais revoilà. Du coup, ensuite j'ai pris des dies. Parce que c'est vrai que sur Noël, je n'en ai pas du tout. Donc du coup, j'ai pris des dies. J'ai pris celui-ci pour faire l'igloo. Pour faire ça, l'igloo avec les pingouins. Oui, c'est bien les pingouins. Oui. Voilà, du coup, j'ai pris ça. J'ai pris celui-ci. Alors celui-ci, je me suis dit, même si je ne fais pas la petite scénette qu'ils ont donnée, voilà, il y a les flocons qu'on peut se servir, il y a le houx, il y a tout ce qui est feuillage, tout ça, on peut s'en servir. Voilà. Et eux, en fait, ils ont fait voilà, un petit oiseau. Voilà. Ensuite, les pulls moches. Et j'ai pris celui-ci. Alors ça, j'ai adoré. Je me suis dit, dans des créas, ça peut être top. Je me demande si on va pas faire un petit tuto aussi pour utiliser ce dies. Je pense que ça peut être sympa. Ensuite, on a les bonhommes de neige. Pour faire ça. Ensuite, alors celui-là, j'ai hésité à le prendre. Après, je me suis dit, j'ai rien sur le Père Noël. Je l'ai pris, mais j'ai un peu peur du résultat. J'ai un peu peur du résultat. Mais bon, comme vous le savez, Eva a une machine de découpe. Donc, si jamais ça ne me convient pas, ça lui conviendra peut-être. Vous voyez, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est le contour du Père Noël qui fait pas top. Donc, on verra. Et ensuite, j'ai pris celui-ci pour faire des petits animaux tout mignons. Voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris ce Luxe Paper Block dans les tons de bleu. Alors celui-là, je l'ai trouvé très joli. Alors, je ne les ai pas tous pris, mais j'ai pris que ça. Les blocs 30, je les ai même pas, je crois, chez moi. Mais dans tous les cas, je pense pas que j'aurais pris. Ça, j'ai pris principalement parce qu'il y a les die cuts. Puis bon, là, on a des fonds qui font pas forcément Noël. Bon, ça, si, ça fait Noël. Mais voyez, ça, ça fait pas forcément Noël. Ça, ça fait pas forcément Noël. Ça, c'est pareil. Ça, ça peut faire... Enfin, quoique, non, il y a des boules de Noël. Mais voilà, pour les die cuts surtout, parce que c'est vrai que c'est une chose qu'on n'a pas beaucoup. Enfin, personnellement, moi, j'en ai pas beaucoup en Noël. Mis à part sur les blocs de l'année dernière. Mais voilà, je l'ai trouvé très joli celui-ci. Et puis les petites écritures en bleu sur... sur le calque, ça fait super joli. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris alors je vais deux colons ensemble. Donc j'ai pris celui-ci. Hop. Avec un peu du rose gold. Ça fait joli. Fond fait pyjama, j'adore. Là on a des petites écritures, je vais vous montrer plus près si vous le souhaitez. Ça c'est très sympa pour des cartes de Noël. C'est un fond avec des petites étoiles. Ça c'est quoi? C'est des petits points seulement. Oh. Ça, ça peut servir. Est-ce qu'il y a marqué quelque chose sur Noël? Non. Donc ça peut même servir si c'est pas Noël. Ça, c'est pareil. Et voilà les die cuts. Oui, il y en a, ils peuvent même servir si c'est pas Noël. Du washi, de la cordelette. Après, c'est de quoi faire des papiers cadeaux, mais.
Ça peut aussi servir franchement je l'ai trouvé assez sympa. Là, on peut faire une scénette ou une carte. Et là on revient sur du calque avec du rose gold. Donc celui-là je l'ai pris en deux fois. Et ensuite celui-ci aussi. Alors celui-là il est trop mignon. J'ai trouvé trop sympa. Donc je l'ai pris en deux fois aussi. Donc là c'est en doré. Et vous voyez, on a des fonds qui ne font pas forcément Noël, quoi. Bon, là, le papier cadeau, pour le coup, ou anniversaire, pourquoi pas. Celui-ci, trop mignon. Ça, c'est sympa aussi, pour autant Noël que pas Noël. Ça, c'est pareil, c'est tout mignon. Ça j'aime bien aussi. Il devrait nous faire plus de pages comme ça. Bon ça, ça peut servir autre que Noël. Et regardez ces petites images trop... Ces petits die-cuts trop chou. Petit lapin, petit écureuil. Les hérissons. Le renard. Enfin, le loup, ouais. Ça doit être la grand-mère. Enfin, le loup dans le petit chapeau rouge. L'ours. Le roi. Le roi au canard. Non, c'est moi ça. Mais voilà, il y a plein de petites choses bien sympas. Et donc on a toujours la dernière page en calque. Voilà pour mes trouvailles. Donc, je vais essayer de vous donner un peu de prix. Alors les gâteaux gaufrettes là c'est 1,79€. Les petites boules de chocolat avec des noix dedans c'est 1,84€, pardon. Des hobbies 1,98€, couverture polaire, je vous l'ai dit 5,72€, je crois. Les lingettes 99 centimes, le papier bulle 2,29€. Ah oui, j'ai pris aussi un coffre électronique que je n'ai pas monté. Alors, lui, il était à 16,95€. Pour mettre, vous savez, quand on a un peu de liquide ou quoi, pour mettre dedans. Ou même les enveloppes des anniversaires des enfants ou de Noël, tout ça, au moins on pourra mettre dedans. Bonbon acidulé, 1,99€. Couverture polaire, j'ai déjà dit. Alors, 3,49€ les dice. 3,49€. Les 7 étiquettes cadeaux, ça doit être les tags. Les tags, c'est 99 centimes. Les blocs Lux Paper Block, 1,89€. Les petits anges à suspendre, comme je vous ai dit, c'était 1,99€, donc 2€ les deux. Pâtisserie, gâteau, forêt, 6 pièces. Ah, ça doit être le ceux aux amandes, 2,58€. Ah oui, j'ai pris aussi un pot, enfin un truc qui sent bon en fait pour mettre dans les toilettes. Un peu, ça fait un peu une forme de fleur. Vous avez juste à lever le couvercle et vous avez du gel en fait dedans qui sent bon.
Et ça, c'est 98 centimes. Ensuite, l'autre petit paquet de... Ça doit être noix ou... Non, il y avait noisette et amandes, je crois. Au chocolat, 1,84. Alors, les dents, les bonbons dents pour Halloween, 1,19. Les autres... ça doit être ceux-là. Super brun. Trolli, super brun. Ouais, je pense que c'est ça aussi, 1,19. Donc, ça doit être les petits cerveaux, comme je vous ai fait voir. Alors, ça doit être ça qu'ils appellent comme ça. 7 rubans cadeaux. Dans un étui de 10, 2, 4, 6, 8, 10. C'est ça, doit être ça. Ça, 1,39. Les pastilles de la vaisselle, 6,99 pièces. Les fleurs d'automne, 87 centimes. Donc ça, 87 centimes. Cette poubelle, bon, 1,69. Les piles, 1,39. Les fleurs d'automne. Je vous en ai déjà dit, fleurs d'automne 81, des autorisants. Ah, je pense que c'est les sprays, les recharges de spray, les odorisants, 1,69. Les Swiffer Widget, c'est pas donné, mais c'est la vie, 4,29 pièces. Les feuilles d'automne, comme ça, 82 centimes. Il y en a 27 pièces dedans. Déo, je vous ai déjà dit. Et les autres lots de piles, 1,39. Voilà. Voilà pour mon beau haul action, hein, on va dire. Après, il y a des choses qui ne sont pas scrap. Mais voilà, il y a quelque chose de. Il y a quelques bricoles de scrap. Après, il y a des choses que moi je détourne pour le scrap comme ça. Bon, ça c'est pas action, mais ça moi je vais le détourner en rangement scrap. Mais après, de base, c'est pour les rangements alimentaires. Mais voilà, moi je vais le détourner en rangement scrap. Si un jour je peux arriver à avoir une étagère là à côté de moi, je les mettrai dessus. Et franchement, ouais, on peut ranger quand même pas mal de choses. Par contre, très très dur à ouvrir la première fois. Je pense que c'est un peu collé. Celle-ci, je ne l'ai pas encore ouverte. Et voyez, en fait c'est collé. Donc ne vous étonnez pas au début. Il faut juste décoller un peu le joint. Et après ça s'ouvre. Faut forcer un peu. Sur le coup je me suis dit je vais tout casser. Mais au final c'est normal, faut forcer un petit peu. Et après ça se défait. Ah, vous voyez celle-là. Et en plus j'ai pas de force dans mes mains, donc je galère un peu. C'est assez dur à ouvrir au début. La première fois, franchement, je pense que... Voilà, ça y est. Par contre, ça sent fort dedans. Ça sent le plastique, je sais pas. Je sais pas, ça sent fort. Et vous voyez, après, une fois que vous la refermez, voilà, ça se rouvre bien. C'est juste pour la première utilisation. Enfin, le joint qui a dû coller un peu dessus. Mais voilà, ça se rouvre bien. Et je trouve, ouais, je trouve ça assez sympa. Après, voilà, à vous de voir. Mais sachez qu'ils sont vendus chez Aldi en ce moment. Et je me demande même si je vais pas retourner en chercher un. C'est ça que je voulais regarder. Et non, ça passe pas. Je voulais voir en fait si ça passait sous mon bureau, parce que moi j'ai un bureau d'angle. Et je voulais voir si ça passait sur l'étagère de mon bureau ici. Et non, ça passe pas, mon plateau est trop large, enfin trop épais. Dommage, parce que sinon j'en aurais mis ici aussi, je pense. Voilà.
Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que ça vous aura été utile. Je sais que certaines personnes aiment bien les hauls juste pour savoir si, s'il faut qu'ils se déplacent ou pas dans les actions, s'il y a des nouveautés ou pas. Et voilà. J'espère que du coup ça vous aura été utile et que ça vous plaira, tout simplement. Voilà. Je vais vous laisser ici et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.